Bonsoir, bonsoir les loulous, c'est Tonton Tomic sur Resident Evil 6. On est avec Ada, c'est le chapitre 3, les appartements de Bean Street. Croque bien. On va voir un petit peu ce qui va s'y passer. Tic. Autant je me souviens, dans le niveau munitions, j'étais pas trop moche. On va voir ça. Ah ouais, avec lui. Les fléchettes explosives, c'était trop de la barbe. C'était trop de la balle. Pas trop bien. QG ici, Alpha Leader. Il me faut la position d'Ada Wong. Ici le QG. On a trouvé sa position. Ada Wong a quitté la ville et se dirige au sud, vers le port. Alors, bon, on va avec, vers notre objectif. Là, on marche, on n'a pas le choix. Ada Wong se dirige au sud vers le port. Ils organisent une fête pour moi, et je n'y suis même pas encore. Bon. Donc, a priori, ça serait par là, en haut à gauche. Il y a une ruelle, il y a quelque chose. Je peux passer par là, non. Évident. Par contre, attends. Derrière. Il y a un petit passage. Bon, ça a l'air bloqué par là. Il y a des poubelles, c'est bloqué. Voilà. Il n'y a que Chi, c'est moi qui m'abuse. Ok, on court. Ok. Ouais. Tout va bien, c'est zen. Hein. À 42 mètres de l'objectif. Je me souviens tellement de ce truc-là. Apparemment, le passage, c'est là. Attends. Il y a un truc là-dedans. Juste redescendre comme ça. Ah. Tiens. Yippie-caille. C'est trop mignon d'y avoir pensé. Carrément créer une animation pour ça. Le délire. Oula, on va aller loin, dis donc. Salut les mecs. Ah merde, je suis un peu con moi aussi. Oh pardon. Putain, celui qui me choque, j'hallucine. Ah non, je suis pas dessus. Ah, je suis dessus. Bon. On reprend les choses. Tout à fait. J'espère que je vais pas trop me viander. Là, je suis pas trop dedans. Non, bah y'a rien. T'excites pas. Allez. Faut qu'on se réveille. Faut dire que la journée a été un peu difficile avec les problèmes de train qu'il y a en plus en ce moment. C'est les mêmes soldats que ceux que j'ai vus dans le métro. Ok. Il y avait un corps. Je l'ai eu quand même. Allez, on va te protéger, mon pépère. C'était même pas la peine. Ça va, ça gère pour l'instant. Là, c'est la bonne arme, l'arbalète. En plus, je m'étais fait pas mal de munitions. Sûr qu'elle est lente, mais alors qu'est-ce qu'elle est puissante. Faut dire que vous avez vu la taille du bestiau, quoi, s'il vous plaît. C'est pas de l'arbalète à deux balles, hein. Y a pas de caisse, y a rien. Vous êtes chier quand même.
respect de quoi ça? Non. Il faudrait qu'ils aient changé. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est au chapitre 3 là. C'est peut-être pas pareil. Tiens, il y a une caisse là. Quand même! Voilà, c'est pour des points. J'entends parler, c'est la radio. Oula! Ouais, ouais. J'aurais dû mettre mon truc plus puissant contre les Javo. Oh, comment je vais le rater? Incroyable. Ouais, bon. Oh, capitaine de merde. Oh, je suis juste en face de lui, ça c'est chiant. Putain. Allez, en pleine course. Putain, mais j'aimerais bien avoir des munitions, les mecs, aussi, là, quand même. Parce que vous considérez que 24 flèches, c'est suffisant, vous. Oh, non, quel non, dommage non. De ne pas faire une soirée en ville. Du coup, attends, il y avait une caisse que j'ai pas fait, là. Voilà. Ils m'ont troublé. Et encore des points. C'est abusé. Oh là! D'où ça venait ça? Je les vois même pas. C'est bizarre. Je sais pas, c'est pas grave. On prend, hein. Comme dirait l'autre. C'est pas cher. Bon. Obligé de faire demi-tour, ouais. Pas le choix. Et allez! Oh, je l'ai eu bien nickel lui. C'était quoi cette petite roulade? J'ai adoré, mais alors je sais pas du tout comment j'ai fait. Allez. Moi je dis, tant que ça marche, on continue. Ah bah quand même. Vous êtes fait juste un petit peu désirer. Ouais, c'est sur les étalages qu'il y a des trucs. Cool, en plus j'ai récupéré des flèches. J'ai gêné. Une caisse en face. Allez, encore du point. Surtout qu'en plus, c'était des gros trucs, je dis pas, mais... Du mini, là, comme ça. Ça monte pas vite, hein. Oh, lève un peu la tête, tu vas voir, toi. Hop là, il a peur. Putain, il m'a touché, ça m'a dévié ma flèche, je suis dégoûté. Et on a un autre qui arrive par là. Ah mais c'est à cause de l'autre, c'est à cause de lui en fait. Ouais, c'est bon. Ok, ça suffit pas. Oh putain, pourquoi t'as bougé? Voilà, allez, Edin quand même. Il n'y avait pas un autre qui était par là? Non. En tout cas, je suis pas sûr de l'avoir buté. Hein. Ben, tiens. Oh non, cocon. Merde. Il va se transformer en quoi, cet abritos? Elle va crever, oui. Allez, je crois que c'est bon. Ok, cool. Compte, oui, il donne un peu plus. Ça va. Alors. Bébé, mais non, il n'y a rien de planqué sur les étals. Ok, on s'arrache.
Checkpoint, cool. Ça, en plus, l'énergie, j'ai géré. C'est propre. Par contre, là, ils abusent avec les points d'habileté, quand même. Alors, le balle de fusil à pompe, ça, ça me plaît, mais énormément. Parce que son fusil à d'armes, il est trop puissant. Ah non, tu te relèves pas, tu te relèves pas, tu te relèves pas. Par contre, j'en ai plus beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'ai en mitraillette? Ouais, beaucoup plus. C'est sûr. Mais bon. Au moins, j'ai l'impression qu'ils se transforment pas grâce à ça. On les a directement en pleine tête et puis pim. Je peux vraiment pas l'avoir avec ça. J'ai pas le choix. Voilà, hop là. Et on est reparti. Je pensais que je serais plus mauvais là par la suite, mais bon, c'est bon. Ça y est, je suis de nouveau dedans. En avançant, en étant prudent. On ne s'excite pas. Des fois, c'est vrai que j'ai été un peu comme un gros bourrin. Hop là. Il y a une transformation en plus. Ah, c'est encore une des 7 bestioles. Je les aime pas. Je peux tirer de là-bas, ouais, carrément, ouais. C'était planqué, mais c'est venir. Si j'utilisais, j'en ai combien? Explosif, j'en ai 10. Ça serait peut-être une idée, ouais. Par contre, il faudrait qu'elle vienne à moi, la saloperie. Il va rester qui est plan. La saleté. Ah ah, non, j'ai l'impression qu'elle se rapproche. Viens voir tonton. Elle me tire dessus, voilà. Saloperie. Un pilote, il va venir me faire chier. Tiens, je vais lui dégommer les pattes. Dans ton cul, tiens, allez. Ah bah c'est sûr, là, ça remonte jusqu'à la tête, hein, dans cette position. Hop là, on se replante. Ah tiens, bah, y avait un truc là. J'ai même pas fait gaffe, dis donc. Ok. J'utilise un peu de balles de fusil à pompe là. Je vais me coller contre lui. Je vais le dézinguer. Bon bah surtout qu'il m'ordonne. Royal. Ah putain, il est encore loin. L'enfoiros. Je l'entends de la gauche, non, c'est moi qui a sa bulle. Putain, mais il est où la saloperie là? Hop là. Oh, mais viens à moi. Mais quelle saleté. Ça l'a pas fait. Du tout. Oh putain, mais il est juste devant moi! Mais quelle saloperie, il a fait le tour! Il est par où? Par où? Par où? Par où? J'y crois même pas. Je suis un peu trop loin, ouais, ouais. Chier. En fait, il saute par en haut. Ah ouais, il saute, il saute, il saute. Ah mais par contre du coup j'ai pas récupéré son truc. Oh la merde. Ah je peux pas grimper moi. Oh je suis nul. J'avais 1000 points là. 1000 points qui me passent sous le pif. Oh. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh putain. Alors là je vais me venger. Sniper. Ok, tu veux te la donner? On va se la donner. Je
Oh putain! Bouge, bouge, bouge! Dans ton cul! Voilà! Allez, crève en silence, s'il te plaît. Fais pas comme mes voisins. Parce qu'en ce moment, entre le train, les voisins qui arrêtent pas de s'engueuler. Ah oui, si vous entendez des coups, c'est pas parce que je fais du bruit. Hein. Du tout, du tout, du tout. Je suis avec mes écouteurs. Moi, au moins, je suis un voisin civique. Hein. Et merde, quand il arrive, bien sûr. Fais chier, fais chier, fais chier. Fusil à pompe. J'ai envie de te niquer au corps à corps. Non, putain. Il a bougé au dernier moment. Oula. Ah, de près, là, il fait super mal. C'est ce que je vous disais. Ouais, on va pas se plaindre. Trois coups, ça passe. C'est plutôt propre. Ah. Bon, on avance doucement, mais on avance hein, quand même. Il y a d'autres qui est plan ici, là, non, rien que... Tiens, je marche sur le cadavre, du coup. Et ce n'est pas un escalier que l'on peut prendre, non, non, non. Est-ce qu'on peut... Voilà, passer par-dessus, oui, c'est cool. Et le grappinou. Et ben voilà. Oui, ça va, ça va. J'ai avancé, vraiment. No stress man, ben, quand on a ce qu'il faut en arme, voilà. Je l'ai dit juste avant de commencer ma vidéo. Je savais très bien que c'était cool. Oh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de là-dedans? Oh, Mister Tronçonneuse. Content que ça te fasse sourire. Oh, surtout qu'il est limite indestructible, là, vaut mieux se barrer. Elle a raison. C'est une casse pour suite, c'est quoi? Ah ouais, c'était ça. Une tronçonneuse. Quelle élégance. Allez, on y va, on y va, on y va. Ouah. Putain, j'ai failli pas le voir. J'ai vu qu'au tout dernier moment. Et derrière mon cul. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Ah, putain. Mais j'ai rien pu faire. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Ah, oh, c'est gore. Moi, on aura vu sa mort. Faut que je cours vraiment. Une tronçonneuse. Quelle élégance. Allez, allez, vite, vite. Ah, c'était propre. Ah, t'as la classe, t'as la classe, t'as la classe, baby. Comment elle a remis le truc dessus? C'est tapissime. Propose d'aller au-dessus, on va le faire. Hein. Quand il nous propose de descendre tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de monde. C'est vrai que je pourrais les sniper, les machins. C'est tentant. Hein.
J'ai 21 billets. Hop. J'avais bien vu. Oh non, complètement foiré. Il y a eu un petit move et puis comme ouais, on trempe toujours un peu. J'entends un peu en dessous de moi, non? Ouais, tout à fait. Mais vu. Oh non, raté, complètement. T'avais pas rechargé! Putain! Pardon. Je le vois plus du coup. Ah! Je suis dégoûté. Il est où? Bon, on va changer d'arme, tant pis, on va descendre. En Chine aussi. Regardez cette pagaille. Le monde entier est devenu fou. Non. Bon, allez, on descend parce que là, c'est plus drôle. Allez, bim. Longtemps que j'avais pas fait ça, les enchaînements comme ça. Resident Evil 4. Où il est la tête? Il est étourdi. Et bim. Et on achève. On économise des bullets. C'est rapide, c'est pas cher et ça rapporte gros. Voilà. Une plante, cool. Bon, par contre, tu la prends, tu ne sautes pas par-dessus. Faire ta kéké là. La clé est là. Ok. Bon, en tout cas, j'ai bien fait quand même de niquer tous les premiers là. Parce qu'ils sont quand même assez résistants, les pourceaux. Enfin, tout du moins avec la mitraillette, hein, je me comprends. Bon, ça permet d'économiser vu qu'ils sont pas excessivement costauds. La preuve, si vous les chopez dans le dos, c'est plutôt radical. Ah, lui par contre je le choperai pas dans le dos, c'est mort. Lui non plus, ils sont deux. Ok, c'est sûr qu'il y a plusieurs, ça peut être dangereux, hein. Alors, c'est qui le premier là? Qui c'est qui vient me chercher en proms? Allez, dites moi tout. Bon bah toi, tu viendras pas me chercher en proms. T'es mort! Un petit truc critique. Parfait. Oh, ça me plaît. Et donc, il y a une clé. Et je bim! Et on est devant la bonne porte. Attends, on fouille quand même. Des fouettés. Faut pas dire. La preuve, carrément. Oh, 2000 points. Ça aurait été dommage de passer à côté, vous voyez. Vous voyez. Vous pouvez sauter par-dessus, ok. Ouais, il a bien dû. Petit salopard. C'est très gentil. Il faut jamais prendre ce qui n'est pas à toi. Ok, on change. Comment là-dessus là? Ah, de merde. Vite, recherche. Ah, j'avais cru qu'il fallait me mettre un petit peu, comment dire, dans les vapes. Pour pouvoir l'agresser et puis piquer la clé, quoi. Mais ça marche pas. Donc, faut vraiment l'achever. Il ne faut jamais prendre ce qui n'est pas à toi. C'était pas mal en haut. Ah,
Papa. Par contre, j'avais cru entendre des cums. Ah, merde. C'était quoi, ça? Oh, ma vision d'apocalypse totale. Celui-là aussi, il était gore. Punaise. Il me fout en charpie, cet enfoiré. Il faut jamais prendre ce qui n'est pas à toi. Ça va pas, il est trop speed quoi. Il est beaucoup trop speed. Les autres enfoirés qui arrivent là. Bon, ok. Et un petit feu de joie, hein. Ah, j'ai rien le temps de faire, hein. Incroyable. Et merde, putain, le putain. Ah, mais je le fais trop tôt. Redescends. Chuneuse. Oh mais c'est pas vrai. Mais vous êtes combien, bande de rats? Bande d'enculés. Ouais mon gros bourrin, je vais venir te voir mon GG. Ça va lui péter, hey girl. Et encore. Punaise de punaise de punaise. Non, je suis pas dessus, je crois. Oh non, 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 mais non. Tu viens d'où, toi, fils de ta maman? Ouais, bah c'est mort, allez vas-y, achève-moi ce salopard. Bon, bah si le petit frère est en ligne, on va essayer de jouer ensemble, donc bah, du coup je vais arrêter là-dessus. Je vais vous faire un gros bisou mes loulous, et puis je vous dis à la prochaine sur Resident Evil 6 en essayant de pas être que mort. Ciao ciao.